Donc, la correction du numéro 81-1 spécialement pour Alice et sa calculatrice pourrie. Pour le 81, on va donc supposer qu'on a une calculatrice qui n'est capable de faire que de l'inverse loi normale gauche. Donc ici, je rappelle qu'on a mu qui vaut 7,5 et qu'on cherche sigma. Et que la probabilité que x soit compris entre alors que x soit plus petit que 6h ou que x soit plus grand que 9h est égal à 10%, c'est-à-dire 0,1. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que on est face à ce problème-là, avec une loi qui est comme ceci. Que ici, alors on est sur une loi normale, non centrée et non réduite, hein, donc ici on a 7,5 qui est donc le centre de notre loi normale, puisque ici, on a 6h qui va être ici, et on a 9h qui va être le symétrique, pour ceux qui ne voient pas, hein, il est clair que 7,5 moins 1,5, ça fait 6, et 7,5 plus 1,5, ça fait 9. Donc il y a quand même une certaine symétrie dans les nombres qu'on vous a donnés. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de transformer tout cela donc, en une loi centrée réduite. Donc du coup, on effectue le calcul suivant. Déjà, on va dire que cette phrase-là, elle est équivalente à P de X. Ah, c'est pas la bonne couleur. Compris entre 6 et 9, qui est égal à 0,9, qui est le complément à 1 de 0,1, puisque ici j'ai pris exactement l'événement contraire, que du coup la probabilité que x moins 7,5 sur sigma soit donc comprise entre 6 moins 7,5, c'est-à-dire moins 1,5 sur sigma, et plus 1,5 sur sigma. Donc là, je sais que x moins 7,5 sur sigma, c'est une loi z qui suit une loi binomiale, pas binomiale, normale centrée réduite, oh là là. Et donc du coup, je vais pouvoir m'intéresser au dessin de ce qui se passe. Si je fais un dessin avec une loi normale centrée réduite cette fois-ci, donc là, je vais avoir 0. Là, je vais avoir mon moins 1,5 sur sigma. Là, je vais avoir de façon symétrique le 1,5 sur sigma. Je peux tracer ici les deux petits traits qu'il faut, et je peux assurer que cette partie-là fait 0,9. Donc ici, il est clair que la partie orange que je suis en train de colorier et la partie ici font toutes les deux 1 moins 0,9, c'est-à-dire que mis ensemble, le orange, là je vais faire une légende, ça vaut 0,1. Donc la moitié d'une zone orange, c'est-à-dire par exemple si je m'intéresse à la partie gauche ici, cette partie vaut donc 0,1 divisé par 2, c'est-à-dire 0,05. Donc ici, on peut en déduire que donc la probabilité que z soit plus grand que moins la probabilité que z soit plus petit que moins 1,5 sur sigma, eh bien c'est égal à 0,05. Voilà. On peut utiliser la loi binomiale, l'inverse de la loi binomiale, l'inverse de la loi normale, voilà, ce matin ça va pas,
gauche qui est disponible dans les calculatrices et donc du coup on peut donc dire que donc moins 1,5 sur sigma c'est donc inverse de la loi normale, donc inverse normale pour la calculatrice. Donc on va mettre 0,05 pour l'air, 0, 1, et puis gauche si on peut le marquer, et puis si on ne peut pas le marquer, on met rien. Je rappelle que pour les TI, les Casio, c'est pas 0,1 mais c'est 1,0. Donc du coup, on peut calculer sigma, c'est donc moins 1,5 sur inverse normale 0,0501. Et on prend une calculatrice. Et on va donc taper le calcul demandé, donc moins 1,5 divisé par seconde distrib normale inverse, et donc on tape 0,05 virgule 0,1, on ferme la parenthèse, on tape sur entrée et on trouve 0,91119, ce qui fait sigma est égal à 0,912 à 10-3 près, donc 0,912 à 10-3 près.